On a été coupé là au niveau de. J'avais plus de batterie donc. Bon ben. Je n'avais plus de place apparemment. Donc au niveau de la mémoire, c'est pas ça. Hein. Pourtant j'enlève des choses mais ça marche pas. Bon bref, on reprend spécial Gémeaux célibataire. On continue. Bon, ça fera une vidéo spéciale pour vous les célibataires. Voilà, que pour vous. Donc pour nos petits Gémeaux, alors je disais donc que. En fait, je ne sais pas si ça l'a. Donc, je recommence. Hein. Donc là, un tirage spécialement pour les célibataires. Donc, on est à la veille d'un chamboulement, à la veille d'un changement dans votre vie au niveau sentimental. Ici, il y a une recherche au niveau harmonie, au niveau équilibre. Hein. Vous allez rééquilibrer votre vie ici au niveau sentimental. Vous en avez besoin, les Gémeaux célibataires. Hein. Et de quelle manière? Eh bien, la manière avec le plaisir. Hein. Vous allez vous faire plaisir. Vous allez prendre du plaisir d'être avec l'autre ici. Ici, ça va concerner une femme, hein, en fait. Une femme que vous convoitez ici. Et vous aurez la possibilité, cette femme, en fait, qui peut-être résistait, était en résistance avec vous. Eh bien, écoutez, là, vous allez avoir la possibilité d'être en couple, ou en tout cas de faire un couple. Voilà ce que me dit le jeu ici pour vous, les célibataires. Je continue. Ouais, donc en fait, ici, pour vous, les célibataires, ici, c'est ce qui vous attend. C'est vraiment quelque chose de très, très beau ici. On est à la veille d'un grand vent d'amour ici. Hein. Quelque chose de très beau, quelque chose de pur ici. On sent vraiment de la pureté. Cette rencontre, en fait, ça va être vraiment l'occasion d'être heureux, tout simplement, ici. Hein. Donc, en tout cas, pour beaucoup de Gémeaux, ici, vous êtes vraiment au début d'une histoire qui promet, en fait, au niveau des sentiments. Vous allez vous sentir bien. Hein. C'est vous, hein, petit Gémeaux, là, avec votre étoile, ici, qui va être vraiment accompli au niveau des sentiments. C'est très beau cette carte là. Voilà, quand vous avez, il y a une carte qui est négative dans un jeu, eh bien celle-ci recouvre le reste. On n'a plus besoin de tirer de cartes. Donc ici pour vous les célibataires, de très beaux moments en perspective avec l'autre. Voilà, c'est pas la peine de tirer d'autres cartes puisque cette carte est arrivée et c'est vraiment la carte de l'étoile qui est très puissante ici dans ce jeu, le jeu divinatoire de Yagalizier. Mais écoutez, c'est superbe. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. J'espère que ce petit tirage sentimental pour vous les célibataires vous a plu. N'hésitez pas à liker hein, si la vidéo vous a plu, mais restez encore un petit moment parce que je vais tirer. Donc les cartes de synthèse qui vont clore ce tirage pour vous les Gémeaux en ce mois de mai. Alors je n'ai pas souligné au départ la vidéo, mais c'est bien des Gémeaux dans le Soleil dans le Gémeaux, pardon, la Lune dans le Gémeaux et l'ascendant dans le Gémeaux. C'est valable pour les trois. Voilà, alors qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour faire cette synthèse? On va prendre les réponses angéliques de Dorine Virtue et de Radley Valentine. Alors, faites voir parce que ça a bougé. Oula, la petite caméra a bougé. Alors, on va faire un petit zoom. Voilà, pour vous les Gémeaux, une dernière carte. Dernières énergies pour clore. Le tirage qui vous concerne au mois de mai. Alors, si vous avez des questions, si vous vous posez des questions, si vous êtes dans l'attente de quelque chose, de quelqu'un, ou alors vous savez, vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire, eh bien écoutez, je vais vous, sans poser de questions, je vais vous tirer les cartes et voilà, et ça vous donnera, ça va vous apporter les solutions et les réponses. Alors, je vais les battre dans un premier temps. Pour vous les Gémeaux, que vous soyez, que ce soit un souci à régler dans le travail, pour vous qui êtes en couple, vous qui êtes divorcés ou séparés, pour vous qui êtes célibataires. Donc voilà la première lame de tarot, enfin la lame
pardon, des cartes, des réponses angéliques. On vous dit ici le conseil, affirmez-vous. Ne restez pas en retrait, affirmez-vous. Une carte très jolie, très lumineuse ici. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres cartes encore, d'autres énergies à divulguer? Oui, il y en a une autre. On vous dit, demandez l'aide des autres. Demandez l'aide des autres. N'hésitez pas. Voilà. Alors, y a-t-il encore d'autres cartes, d'autres conseils à donner aux Gémeaux? Oui, il y en a encore et on vous dit que c'est pas le bon moment. Pas le bon moment. Donc, si ça vous parle, hein, prenez ce qui vous parle. Hein. Prenez ce qui fait écho en vous. On va regarder s'il y a encore une carte. On vous dit qu'il y a cette carte qui est tombée. On vous parle d'abondance. Ne vous inquiétez pas, l'abondance arrive. L'abondance, moi, c'est l'abondance dans votre cœur que je vois ici. Hein. Ce n'est pas l'abondance matérielle. Abondance, bon, si elle est matérielle, bien tant mieux. Mais ici, c'est l'abondance dans votre cœur. Vous allez avoir votre cœur qui sera plein. Alors, on va regarder encore s'il y a d'autres réponses. Encore une réponse. Nul besoin de s'inquiéter. Vous n'aurez pas besoin de vous inquiéter. Voilà, ça en fait beaucoup là. Hein? C'est rare, j'en ai autant. Voilà, donc là, j'ai l'impression que c'est fini. Oui, c'est fini. Voilà, c'était les réponses angéliques. En tout cas, j'espère qu'elles vous auront parlé, qu'elles vous auront apporté des réponses qui sonnent en vous. Voilà, et qui vont essayer d'éclaircir en ce mois de mai. Ce tirage est terminé. Eh bien, écoutez, les Gémeaux, n'hésitez pas à liker, de partager cette vidéo si ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous souhaite, bien sûr, un très beau mois de mai. À très bientôt. Au revoir.